jour, je n'avais plus de nom. Je n'avais plus de ligne. Je n'avais plus de maison. Je n'avais pas de parents. J'avais perdu la parole. Je vivais dans de l'eau. 3. Je regarde un enterrement avec une caméra. 4. Des personnes font des découvertes. 5. Il a demandé à ses parents de reprendre sa vie. Les parents sont partis. Il a posé sa vie dans une pièce. 6. On ne s'allonge pas sur le dos. On s'allonge sur le monde. 7. On s'enfonce à la surface. 8. Je frotte mon œil pour faire du feu. 9. J'ai acheté un couteau. Je voudrais le partager avec quelqu'un. 10. Ma vie n'a pas de bouche. 11. Donald Trump en robe de chambre dans une maison. 12. Ma vie n'a pas de pull. 13. Ma vie n'a pas de main. 14. Un homme déterre son frère pour lui couper les cheveux. 15. Tout le monde naît pendant une guerre. 16. Ma vie n'a pas de manque. 17. Donald Trump était jeune. 18. Il traîne en robe de chambre dans une maison. 19. Je me souviens d'un chat dans mon quartier, toujours blessé, toujours poursuivi. Il lui manquait un œil, il passait dans la rue. Il était fier de sa vie. 20. Ma vie n'a pas de lettres. 21. J'appuie sur une partie de la réalité. 22. J'appuie sur quelle partie? 23. J'appuie sur une partie. 24. L'ombre des nuages sur le visage de Donald Trump. 25. Si tout le monde avait le même visage, il n'y aurait plus de bruit. 26. À la récréation, on mettait du sable dans la bouche d'un garçon, il ne pleurait pas. On lui donnait des coups de pied, il riait. 27. Ma vie n'a pas de carte. 28. J'ai mis une flèche dans la tête de mon chien pour qu'il ressemble à Dieu. Dans une vidéo récente, service de presse, j'avais parlé de Gare Maritime, la publication annuelle de la Maison de la Poésie de Nantes, 2017, avec ce texte de Laura Vasquez, 28 poèmes pour Donald Trump, dont j'avais lu les 5 premiers. Mais à le relire, moi c'est un petit peu ça mon problème avec la poésie, c'est à quel moment, quand vous êtes dans la prose, la narration, il y a besoin d'aller faire travailler ce genre d'écriture que je peux pratiquer. 28 poèmes pour Donald Trump. Pas de sujet, pas d'image, pas de goût, pas de beauté, pas de message, pas de talent, pas de technique, pas d'idée, pas d'intention, pas d'art, pas de sentiment. Vous avez reconnu dans l'épigraphe de Laura Vasquez une phrase de John Cage. Avec un petit zoom spatialisé. H2N, vous savez, il y a 5 micros. Un micro de face, 2 micros croisés, et puis 2 petits micros sur l'arrière. Le principe, donc, c'est qu'on émet un son wave spatial que le casque peut reconstituer un petit peu comme dans le binaural, qui est plus compliqué que ça. Sachant que le cerveau, par contre, ne peut pas gérer la hauteur du son. Je ne sais pas ce que ça donne.